Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'aimerais me promener un peu du côté de Luxembourg et je suis en train de descendre les petites marches que je vous montrais tout à l'heure, bien évidemment, du Grund. En fait, le Grund, c'est la partie basse. Tout à l'heure, on va monter, on ira au niveau du pont, c'est magnifique. Je vous ferai des petites vidéos prochainement pour vous montrer justement à quoi ça ressemble. Vous avez le Grund qui est juste, pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer, mais regardez de l'autre côté par là-bas. En haut, vous avez la dame en or aussi, qui est magnifique. Là, je me promène dans la forêt, il ne faut pas croire le Luxembourg, c'est une ville, c'est-à-dire Luxembourg-ville, un pays très très riche. Riche seulement avec non seulement ses monuments, non seulement j'étais à la cathédrale tout à l'heure, c'est magnifique, mais aussi avec sa forêt. Il y a beaucoup de forêt, il y a beaucoup de verdure. Et qui dit forêt, qui dit verdure, dit pureté. Donc il y a l'air qui est très pur, on respire bien, on se sent bien. Et quelque chose que j'ai aussi appris, tenez-vous bien. Je suis sûre que personne ne trouvera. Les bus sont gratuits. Bon, quand pas le bus, c'est transport en commun. Si tu as envie de découvrir le Luxembourg, si tu as envie de te promener, par exemple, dans cette verdure à temps que je te montre, n'hésite surtout pas à venir au Luxembourg parce que quand tu viendras au Luxembourg, tu sauras déjà que tu peux économiser de l'argent dans les transports communs. Parce que tu prendras tous les transports communs que tu veux pour te rendre là où tu veux sans payer. Maintenant, je vais descendre et une fois que je serai au niveau du Grund, pour ceux et celles qui sont connectés, restez scotchés parce que regardez au loin là-bas, attendez que je vais vous montrer. Je vais essayer d'aller là-bas, attendez, tout le monde voit? Ouais, là-bas. Je vais essayer d'aller là-bas et là-bas, je vous remontre une autre vidéo pour en fait essayer de vous montrer comment la nature en fait peut vous calmer, la nature peut vous aider à faire de la méditation. Depuis que je suis là, je suis arrivée, ça fait pas à quoi, je suis arrivée à 10h30 et actuellement il est 14h30 et je me sens bien, je me sens vraiment bien. Donc si vous voulez vous relaxer, si vous voulez oublier un peu votre semaine qui a été dure, qui a été stressante, faites un tour et venez vous promener au niveau du Grund. Et exactement pour les sportifs aussi. Vous savez que pour les sportifs, il y a un très bon parcours. Et vous pouvez le faire et vous verrez que vous allez brûler beaucoup, beaucoup de graisse. Donc je vous dis à tout de suite. Restez-y. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis aussi, j'ai oublié de préciser que je suis avec la responsable des établissements BF. Hein. Donc, n'hésitez surtout pas également, comme j'ai déjà présenté la première fois, la dernière fois, pas la première fois, à aller visiter son site internet, sa page Nipub, pas Nipub, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, c'est que c'est tellement magnifique. En fait, je vous regarde, mais je ne regarde pas parce que je regarde ailleurs. Bon, à tout de suite, on va arrêter de raconter n'importe quoi. D'accord? Ciao! Restez en santé. Bon. Elle parle, elle est à côté de moi, mais bon. Je vous la dis, je vous la salue. Bon, voilà, elle est là, la responsable. C'est trop bien ici. Voilà, magnifique, hein. N'hésitez pas à visiter.